Welcome to the auto interview. 1. Can you send the artist some fun questions? 2. They choose their filming method of choice. 3. Guys, be creative, do whatever you want and send it back. Avec les doigts dans. Sur caféclub.com. Avec les doigts en plastique. Bon, vas-y, on choisit une question chacun à chaque fois, on tourne comme ça. Vas-y, alors, on va pas louer. Alors, pouvez-vous faire un bruit d'animal? C'est quoi? C'est le vieux chien. C'est vrai, non. La dernière fois que vous avez vomi. Oh! Avant hier. J'étais là! Pas mal! Ouais. Pas mal. Faites-vous pipi dans la douche? Oui! Tous les matins? Non, je dirais un matin sur deux. Un matin sur deux. Tu t'es déjà pissé sur les pieds sans faire exprès? Ouais, sans le faire exprès. Ouais, ça arrive, ça arrive. Dans les toutes petites douches? Les douches des soupeurs. Que chantez-vous sous la douche? Des chansons paillardes que j'invente. Ça ou je sais pas, genre System of a Down, mais je me souviens plus des lyrics quoi. Le son que vous préférez le plus au monde? Des boîtes à gants qui se ferment. C'est un bon son. Il y a même des designers Audi qui ont un laboratoire de son spécialement pour les sons de voiture. Quelles sont vos influences? Boys to Men. Ok. Mytho. Non, c'est vrai. Jamais. C'est mytho. Je vois pas ce que je cadre là. Donnez-nous votre recette musicale. Arrêtez de vous. Beaucoup d'amour et de l'investissement. Ouais. Louis, ouais. Quelque chose de spécial prévu pour Rock en Seine? Plein de surprises, plein de cadeaux et plein de petits invités pour vous. Seulement pour vous. C'est les 10 ans de Rock en Seine cette année, tu le sais très bien, mais est-ce que tu serais prêt à faire un tatouage? Justement, il y a mon tatoueur qui est en train de travailler. Wow! Ça, c'est pas mal. Chant, mais... Ça, c'est rock. Tatou Rock en Seine. Sans l'éponge, après. Wow! Quelle est la dernière chose que vous faites avant de monter sur scène? Franchement, moi je claque. C'est vrai en plus. C'est vrai. C'est vrai en plus. On va au water. Ouais, tout le monde, je pense que tout le monde fait ça. Ouais, tu vois. Même si t'as pas envie de pisser, t'as quand même envie. Qui dit water, moi? Pareil. Qui dit water closet? Personne dit water closet. C'était le piège, tu sais, c'est Jacques a dit. On porte une caméra. Alors, qui imitez-vous le mieux? Quelqu'un sait imiter Brody ou pas? C'est vrai, c'est vrai. Je m'en rends trop pas compte là. C'est vrai, je fais ça. Non. Il y a des préventes. C'est vrai. Putain, c'est chaud là. Il y a des préventes là. Jacques Chirac ou... Vas-y, Jacques Chirac. Jacques Chirac. Mitterrand. Ou Mitterrand, comme tu veux. Et Jacques Chirac. Ouais. Brodinski, l'artiste avec lequel il vous serait impossible de travailler. Fais ta tête. Surtout les artistes que j'admire, c'est pas les gens avec qui t'as forcément travaillé, je trouve. Putain, une de ces pirouettes de ouf, quoi, elle tue. Non, mais c'est vrai, tu vois. Quelle bouche voudriez-vous fermer pour toujours? Tu pourras plus parler. Les gens qui puent de la gueule en fait. Ok, tous? Oui, il y en a beaucoup à Paris. Tous en général? Tous en général. Ok, très bien. Question pour Can Blaster, la chose la plus bizarre qu'un fan vous ait dite? Je t'aime. C'est pas bizarre ça. Non, il y a eu un truc hyper bizarre qui s'est passé une fois, mais qui est un peu long. Vas-y. Je jouais, c'était où? À Sacramento. Et j'avais mes petits CD posés sur le côté. Et d'un coup... mes CD disparaissent, je sais pas pourquoi. Après, il y a un mec qui vient qui veut me payer un verre. Et donc, du coup, j'étais vénère. Je fais non, j'ai des problèmes et tout, tout ça. Et après, j'accepte son verre quand même. Et après, mes CD sont revenus et je sais pas pourquoi. Et c'était lui en fait. Et, Bye bye!
C'est ça.